Bienvenue à Carte to Carte, un service de migration de panier virtuel automatisé et conçu pour vous aider à transférer votre boutique d'un système à un autre. Aucune compétence en programmation n'est nécessaire. Aucun logiciel à télécharger et une démo gratuite immédiatement. Ce tutoriel vidéo va vous expliquer comment transférer facilement les produits, les clients et l'historique de commandes de VirtuMart vers OpenCart grâce à Carte to Carte. Pour bien débuter avec Carte to Carte, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter à votre compte Google ou Facebook existant. Vous pouvez aussi enregistrer un nouveau compte Carte to Carte et vous serez en route pour opérer la migration tant attendue de votre boutique. Tout se fait en ligne, il n'y a aucun logiciel à installer et vous pouvez donc commencer tout de suite. Vous pouvez choisir entre deux options. Soit vous souhaitez effectuer la migration vous-même, dans ce cas, cliquez sur « Démarrer la migration maintenant ». Soit vous souhaitez obtenir l'aide de l'équipe Carte to Carte, et dans ce cas, choisissez l'un des forfaits du service support. Ce tutoriel vidéo vous montrera comment effectuer le transfert par vous-même. À partir de maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement de suivre l'assistant qui va vous guider étape par étape pour démarrer votre migration. Tout d'abord, déterminez le système de votre panier en ligne qui est le panier actuel actif. Dans le menu déroulant, sélectionnez la version appropriée de VirtuMart. Puis, ajoutez-y l'URL de votre panier en ligne. Pour procéder à la migration, vous devez télécharger un système de pont réseau, aussi appelé passerelle, vers votre base de données. Pour plus d'informations sur la façon de configurer votre pont réseau, suivez le lien correspondant afin d'obtenir les instructions complémentaires ou consultez la vidéo dédiée à ce sujet. Ensuite, nous pouvons cliquer sur « Étape suivante ». Selon la même procédure, configurez votre panier. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Panier OpenCart ». Ajoutez l'URL du panier et téléchargez le pont réseau. Ensuite, cliquez sur « Suivant ». Voilà, vous êtes prêt pour la sélection des éléments que vous souhaitez transférer. Cela peut être vos produits, ainsi que les catégories des produits, les fabricants, les TVA, les clients et les commandes ou tout type d'informations. Dans mon exemple, je vais vérifier tous les éléments. Vous pouvez également sélectionner des options supplémentaires pour la migration. Elles sont payantes, aussi assurez-vous d'avoir la somme suffisante sur votre compte. Voilà, maintenant nous pouvons cliquer sur « Passer à l'étape suivante ». Avec Carte to Carte, vous pouvez faire un scan des devises utilisées avec votre panier d'origine et récupérer les infos dans le panier cible. Maintenant, cliquez sur « Continuer ». Si vous avez choisi de migrer vos commandes, le service vous permet de faire un scan des statuts de vos commandes, s'il y en a. Alors, allez-y et changez ce qui vous convient ou laissez tel quel, puis passez à l'étape suivante. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous êtes prêt à démarrer votre migration en mode démo. À ce stade, vous pouvez vérifier à nouveau toutes les informations. Pour votre confort et votre sécurité, il est fortement recommandé de vraiment procéder à la migration en mode démonstration. Si vous souhaitez migrer immédiatement toutes vos entités, vous pouvez ignorer cette étape. C'est à vous de choisir. Je ne vais pas ignorer la migration en mode démonstration pour vous montrer comment cela fonctionne. Le service va commencer le transfert des données immédiatement. Vous serez en mesure de suivre le processus de migration dans la fenêtre. À ce stade, vous avez la possibilité de voir la liste des données transférées et de vérifier le résultat de votre migration en mode démo. Après cela, vous pourrez évaluer les résultats de la démo de votre migration. Nous apprécierons vraiment que vous nous laissiez un commentaire. Aussi, merci de ne pas ignorer cette étape. Maintenant, vous pouvez y aller vraiment et démarrer le transfert complet. Si vous ne disposez pas de la somme suffisante sur votre compte, vous serez invité à la créditer. Si vous disposez d'un code coupon de réduction, renseignez le champ approprié. Sinon, vérifiez les données qui sont sur le point de migrer et cliquez sur le bouton « Démarrer la migration complète ». Maintenant que vous avez activé la demande de migration complète, vous pouvez suivre le processus de transfert de données. À ce stade, vous pouvez fermer la fenêtre de votre navigateur. Dès que le transfert de données sera terminé, vous recevrez un email de notification pour un contrôle de résultats. Juste après, vous pourrez prendre connaissance de votre magasin OpenCart nouvellement créé. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer? Allez-y et démarrez la migration de votre magasin dès aujourd'hui. Allez à l'adresse suivante. www.shopping-car-migration.com et créer le magasin de vos rêves.